Il s'agissait de tenir à témoin l'opinion nationale malienne et internationale sur la censure et la bruit dont mon groupe de médias Renovo et moi-même faisons aujourd'hui l'objet victime de la part des autorités publiques maliennes à travers une cellule au niveau de la sécurité d'État qui bouille les ondes dès que je commence mon émission Les Grands Dossiers. Cela est la suite d'une tentative d'atteinte à la liberté d'expression dont on avait été victime entre les détours par le gouverneur de Bamako, qui, en connaissance de ses prérogatives, des limites de ses attributions, de l'existence de la HAC, a pris une décision de fermeture de la radio. Il a fallu la pression des organisations fêtières, de la communauté internationale et surtout de la mission d'observation des Nations Unies de l'Union Européenne à l'époque des Anges, qui en a exigé la réouverture de la radio et la saisine de la HAC, qui est l'autorité habilitée à gérer cette affaire. Ce qui a valu la réouverture de la radio, mais la HAC, inféodée, n'a pas manqué à obéir au pouvoir public en infligeant la plus lourde sanction pour la première faute, la première saisine, à savoir la suppression définitive de l'émission Carte sur table. Sachant très bien que cette décision, suivant la loi qui régit le fonctionnement de la HAC, cette décision ne peut faire l'objet de recours que devant la Cour suprême avec la lourdeur de sa procédure. Qu'à cela ne tienne, la radio Renouveau FM, à travers son groupe légaliste, respectueux des textes, a pris acte en suspendant l'émission Carte sur table, en lieu et place créer une nouvelle émission, Les Grands Dossiers, toujours confié à ma personne, et animé le lendemain, c'est-à-dire que désormais le mercredi, mais c'est réservé le droit d'attaquer la décision de la HAC devant la Cour suprême qui est encore pendante. Nous pensions que les pouvoirs publics avaient compris que la liberté d'expression est un droit constitutionnel et même universel avec lequel personne ne transige et qu'il faille désormais respecter. Il a fallu quelque temps après que les mêmes pouvoirs publics, fidèles à leur obsession de faire taire toutes les voix divergentes, de faire taire toutes les opinions divergentes, de faire taire toutes les positions divergentes, parce que moralement, idéologiquement, dictatorial, on dit qu'il faut payer de nouveaux appareils, des bruits, pensant que quand on va brouiller, ils ne sauront pas qui brouille. Et ça va laisser place à toutes sortes d'interprétations. Justement, est-ce que vous avez des preuves palpables? On a des preuves dont je me réserve de ne pas révéler, mais dont je défie quiconque au niveau de la sécurité d'État de me dire le contraire. Quiconque de me dire le contraire, sinon je vais révéler le fond. La révélation de ceux qui le font expose leur vie publiquement. Voilà pourquoi je me réserve. Ils savent de quoi je parle. Et la HAC, qui s'est dit autorité chargée de veiller à la bonne administration de la communication, jusque-là n'a pas levé le petit doigt. Et pourtant, elle est au courant. Elle est payée pour surveiller toutes les ondes. Le ministre de la Communication, pareil. Ça veut dire que la censure va dans le sens de leur politique. Et le même sujet qui est interdit d'être développé sous un autre angle, par Hasbat sur Renouveau, est développé sous un autre angle favorable sur une autre radio qui est laissée être émis. C'est là que IBK a créé deux peuples, deux buts, deux fois, deux lois, deux droits, deux politiques. Donc la conférence d'aujourd'hui, dès qu'on a été victime le mercredi 17 octobre, depuis qu'on a annoncé, entre autres sujets, d'évoquer les deux avis contradictoires prises par Manassa, et sur le report législatif en l'espace d'un mois, qui a été de nature à discréditer la Cour
qui n'est pas propre à un type qui est prédit sage et qui a un peu affaibli la nation. Alors ils se sont dit que si Razbach explique cela, ça va gêner politiquement. Donc il faut bouiller. Et je vous dis quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Selon nos sources, puisqu'à l'entame de chaque émission, je dénonce le comportement de la HAC, ils ont dit en brouillant Razbach va penser que c'est la HAC qui l'a fait. Ce n'est pas la HAC. Malgré que je n'aime pas la HAC, malgré que la HAC est déshonorable, ce n'est pas la HAC, mais c'est la sécurité de l'État. Ils pensaient que nous aussi, on est idiots comme eux, on va penser que c'est la HAC, ce n'est pas la HAC. Donc dès qu'on a annoncé cela, baf, ils ont brouillé. On a dit, ben, écoutons, une fois pour être passé comme du fait du Dieu, du cœur, du cas de force majeure, et maintenant, pour essayer de les pousser à nous donner plus de preuves, allons-y sur notre radio. On a été chez Saxe lundi qui a suivi le 22. Et depuis 7 heures, on a commis 4 UCI qui se sont postés sur les 4 coins de Bamako pour capter la fréquence depuis 7 heures. Et jusqu'à 9 heures pile où on a salué, ils ont appuyé sur le bouton et ils sont restés. Dès qu'on est parti, 5 minutes après, ils ont libéré l'homme. On a dit, poussons-les encore, revenons encore sur le nouveau mercredi, la semaine passée. On est revenu le 23. 24, je veux dire, sur les renouveaux. Et la même émission qu'ils avaient assurée une semaine avant, on a reprogrammé la même émission. Et les gars, les 4 huissiers, sont restés connectés depuis 20h, écouter la revue de presse en Bambara, jusqu'à 21h, pile, pop, ils ont brouillé. Donc on avait 3 faits sur 2 radios différentes. Et comme on le dit en science, c'est la répétition qui constitue la preuve. Et donc on a établi des PV. Les huissiers se sont rendus auprès des responsables de la radio de Nouveau FM, auprès de la radio RFM Futur Média, pour recueillir leurs témoignages en vue d'établir un PV des constats de violation, d'atteinte de la censure et de la bruit. Et ces 2 PV, nous les avons joints avec mes avocats à un communiqué qu'on a adressé aux autorités concernées parce que il est possible que le directeur de la sécurité d'État puisse ne pas être informé de l'existence d'une telle cellule et d'une telle pratique. Donc pour ne pas avoir à se voir opposer l'ignorance de cette fait, de ce fait-là, on les saisit officiellement. Avec PV du CIE à l'appui, on a écrit à la sécurité d'État pour les informer de ce qui se passe contre nous. Le premier ministre Boubé Maïga, qui est journaliste de surcroît, quelqu'un qui se doit en plus d'être chef du gouvernement, chargé de veiller au respect des droits et libertés, journaliste de veiller à la protection de cette fonction substantielle et de la vie et de l'exercice de ce métier par les journalistes. Mais sous son air, quand la fonction et les journalistes font l'objet d'une telle attaque, on se pose la question si Boubi a embrassé la fonction de journalisme par nécessité ou par conviction. Au-delà des autorités, vous avez saisi également les chancelleries. Les chancelleries, notamment l'Union africaine, la CEDEAO, la Commission des droits de l'homme de la MINUSMA, l'Union africaine et l'Union européenne, les ambassades de France, les ambassades des États-Unis, des Pays-Bas, de l'Espagne. Pourquoi? Tout simplement parce que ces pays nous disent venir nous aider au nom des vertus qu'on a en commun. Ils disent que nos États sont interdépendants, la sécurité dépend de la sécurité des uns et des autres. Leur développement dépend du développement des uns et des autres. À ce titre, chacun se doit de veiller à ce que l'autre se développe pour que je me développe, que l'autre soit en paix pour que je sois en paix. Et pour que la paix et le développement puissent être, il faudrait que certains droits de liberté soient respectés. Et que voilà la raison de leur présence chez nous. Voici la justification de leur coopération avec notre pays multiforme. Et pourquoi, et c'est ce qu'ils donnent comme explication à leurs citoyens pour prélever leurs impôts à vue de venir financer nos institutions. Le Pays-Bas est le plus gros bailleur du ministère de la Justice malienne. L'ambassade des États-Unis, à travers le communiqué qu'ils ont fait, rendu public au lendemain de la répression de la marche du 2 juin, ont exprimé leur attachement au respect de la liberté d'expression. L'Union européenne, par rapport à la fermeture de la radio Renouveau, a dans un communiqué rappelé le respect des droits de l'information et de la liberté d'expression. Donc si c'est au nom de ces valeurs qu'ils disent prendre leurs impôts pour venir nous appuyer, je ne crois pas qu'ils puissent accepter que ces mêmes impôts qui auraient pu servir à d'autres choses chez eux soient donnés à un gouvernement qui l'utilise à des fins de torture, de viol, d'atteinte à la liberté, à la censure
Je ne crois pas que ce ne serait pas logique. Ils peuvent aussi ne pas être au courant. En les informant officiellement, alors nous les informons de ce qui se passe et les invitons à s'assumer. Merci. Falajɛ wo kɔnɔna la Moribabugu fo Kati bɔda Wɛnzɛn
Aradjo Mbeka Kuma Kabini 7h, Foytal. Faut 9h pile, de Bango, salam alaikum, vous comprenez. Donc faut 11h. Antaladro, il y a l'angassé. Et on s'en regarde là, on y a blanc. Bien, on a les trois peuples. Oh, ils souffrent, mais ils sont là, Befanata. Donc, les issues, les PV flaqués, et le nouveau FM, RFM, au PV fla, en haut de fra, les avocats aussi, ils ont communiqué bon, à PV qu'à flaqué. Donc, qu'à Chi Boubeim, allez mouiller Premier ministre, à Bessara, million biolon, vlanin tourou de bas pour le Kaloka, à Kanga Hake la Kana, on est Bingaranga. A joro ni bala ni mabula mse ka bisiki kata boba be kalama. Men ni tara fwaye ka sebe ka dama. Isi uye mawye mwamunu sariya kono ni uya kalanke. Ni jamana uye maria uku kari uka bara doye ka dalu franyokon ka ni ka chike chimbe gelalu ni boye nanche. Se le zoma sermate. Uka peve ka flade ala ka di bube. Isi uye mwye afle. Yadi ka foko erogo mgo de afo. Tere. Se le zusye ki son asermante. Ou bien quelqu'un ne croit pas ça. C'est rien que nous engalons de Obu Kenga Buka Parana. Yafo, on l'a dit ici ou là. Ne pouvez pas être calme à quoi calme. Kachi sécurité d'état moi. Parce que cellule veut se caca kono. Cellule militaire bureau et roulette à rolo. Na mouvante ma robe ici qui a bé. Hakila dolu kono. Ward le bureau de la cana coupe la barre de la nyemou ta doko djani me kaki. Parce que machine moule le bureau. C'est qu'à digi. Nyemou ta doko. Donc, nous avons fait des choses. 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 Nous avec PV, constat du ciel. Kachi, ministre de la communication. Kachi, Mali, tu ne peux pas au fond. France, États-Unis, Espagne, Pays-Bas, Union européenne, Union africaine, CDAO. Ben, Mouna, parce que au coco, en boulot, ni en béton, ni en béton, ni en béton, ni en tableau minka paye nous ce sera avec comme il est bête des sous au bekanga vuli ka belaka ou koi hereteke ni mouka hake malakana ou ko nyetate ni mouka hake malakana ni mouje hake la kamara ko djuguke la fiaté hereté donc comme la fia note yoromina komo bena ni komo nana moubeta tumala nantara tumala ameta wutala de so bara. Pourquoi on a tout dans la décès au bar? Ou comment on a demain, quand la canabalia kele? Pourquoi on a tout dans la décès au bar? Comment on fait? Ou comment on a demain, quand Yiriwa ke ambara? Ou quand Yiriwa ni la canateta, faut tabolo don, ou de kake marae ambara, tabolo mbe beka hake donc la cana. Ou nous, ou warita ou comme maupolo, quand ambassade d'aile de ambara, ou quand sur la sou blacana, ou ben on demain au kama, ou benga, quand flabe bes la meala, ame warm nanga tukono. Quand on a dit que c'était un mystère, il y a un bar. Donc, l'ambassade vous savez qu'il faut que vous vous comme administration, vous avez dit que avec un sébène. Vous savez comment? Il y a un sébène qui a nous faisons un bémo qui a un PV fracant pour que vous avez un don. Vous avez un don. Vous avez un parlement espagnol. Il a invité les une européenne qui a parlé en décembre, on a son coma mais il chelé ni met droit là. Ya fou. Non, n'entra États-Unis, kata ñe fouyé. Aw ka info mi mega na ka ñe mo fe. Ku me na Mali demé. Ko ka ñe ta ke ka hake la kala. A worte ka do ka di munu ma mo fa la. Binga ni kala. Dans sa ko kala pour que lu ka sutom fana ka do. Maintenant ko ja parti politique qui présente comme Robert Nyamwala, Diaoulou Beka dictature de la façade malikono. Pour l'élection de Natal, vous faites des sanctions puis vous gagnez. Voici la raison. Ok, merci. Merci à la campagne.